coucou, bah écoutez, nous sommes le lundi et c'est parti, vous allez passer une partie de la journée avec moi. Première chose, on va ranger les courses. Allez Haroun. Haroun. Coucou mon cœur. Coucou Haroun. Coucou mon cœur. Voilà, donc Haroun, je viens de lui donner la tétée. Et donc il joue un petit peu. Tiens, choupiné. Voilà, en général ce que je fais, c'est que je me mets pas loin pour faire les tâches ménagères comme ça. Du coup, ouh maman. Du coup, il ne se sent pas seul. Ok, tu veux quoi, l'appareil photo? Non, mon cœur, non, 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 non. Ah, tiens, regarde, maman, là, plus marrant pour toi. Tiens. J'ai un peu de linge, je vais le plier tout de suite et mettre de côté celui que je dois repasser. Voilà, je fais vraiment tout au fur et à mesure pour ne pas être dépassée, on va dire, voilà. Ok, les filles. Donc, Haroun vient de s'endormir. Donc, voilà, je prépare à manger. Là, je fais cuire mes œufs de curry. Donc là, je vais aller prendre mon petit déjeuner, boire mon café et répondre à mes emails. Coucou! Voilà. Donc là, je viens de faire mes petits pains. Enfin, j'ai pas terminé. Hein. Des pains burgers que je congèle. Donc je les fais à l'avance, je les congèle. Et comme ça, dans la semaine, quand j'ai envie de faire des hamburgers, voilà, je les fais. La recette, elle est sur ma chaîne YouTube. Vous tapez recette burger Hasnabi, vous allez tomber dessus. Là, j'ai utilisé de la farine complète. Donc voilà, je vais laisser reposer. Et j'ai Haroun qui est ici, à côté de moi, parce qu'il ne veut pas me laisser faire ce que j'ai à faire. Alors, il reste avec maman et il est content comme ça. Ah oui? Donc ça, les filles, c'est un conseil pour les mamans. Coucou, 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 coucou. On va faire quoi maintenant? Haroun, il vient d'avoir sa petite tétée, hein, mon cœur. Et là, il est en train de jouer. Donc, comme je vous disais, je le garde à côté de moi. Et moi, ça me permet d'avancer dans ce que je dois faire, n'est-ce pas? Donc voilà, gâteau yaourt, voilà, comme ça. Donc c'est un gâteau yaourt, je divise la pâte en deux et ensuite je rajoute du cacao, puisque les filles aiment bien le chocolat. Donc du coup, voilà, et je vais faire ça. Et ensuite, je vais voir si... Oh, punaise, j'ai oublié mes boules. Ah oui, il faut que je termine ça. Il faut que je fasse ça ici. Voilà, Haroun s'est endormi. Donc voilà, Haroun s'est endormi. Je vais profiter. J'ai passé l'aspirateur, donc je vais profiter pour terminer ce que j'ai à faire dans la cuisine. Hop, j'ai mis en ligne une vidéo. Hop. Et voilà, c'est parti. Ça ressemble plus à un marbré au chocolat. Je sais pas quoi faire. Je vais laisser... Je sais pas si je laisse comme ça ou est-ce que je recouvre de chocolat et je mets de la noix de coco. Mais je pense que je vais laisser comme ça parce que mes filles, elles sont un peu spéciales. Hein. Des fois, voilà. Mais il est hyper moelleux. Hyper moelleux. Une petite technique alors pour le pain. Étant donné que j'ai pas beaucoup de temps et que je vais, voilà, j'ai d'autres choses à faire. Donc j'ai chauffé le four. Et... donc il est vraiment tiède. Hein. Et j'ai mis le pain pour que ça monte plus vite. Vous pouvez aussi mettre votre four à 40 degrés. Après, ça dépend hein, de votre four. Et là, du coup, ben, ça me fait gagner un temps. Hello, recoucou. J'en profitais pour recharger. Il faut que je recharge mon liniment. Et je vais devoir en faire bientôt puisque, comme vous pouvez le voir, ça y est là. En gros, finalement, je sais plus c'est quand la dernière fois que je l'ai fait. Ça doit remonter à 2 mois. Et franchement, il n'a aucune rougeur. Je parle de Haroun. Le liniment, c'est ce que j'ai utilisé pour les filles. Et franchement, les filles, je recommande à 2000%. J'utilise très occasionnellement des lingettes, vraiment pour me dépanner quand je suis en voyage ou quand je sors. Mais sinon, la plupart du temps, c'est le liniment. Et je vous assure que leurs fesses sont nickel. Voilà, pas de rougeur, pas de démangeaison, pas de rien du tout, quoi. Je ne vous ai pas montré ce que j'ai préparé pour ce soir. J'ai préparé un poulet rôti, donc le poulet je l'ai enlevé. Et alors la sauce, vous voyez, vraiment à la marocaine. Oh là là, ça sent trop bon. Avec ben, plein d'épices, des oignons. Normalement on ne met pas, c'est le poulet mahammar, mais normalement on ne met pas de petits pois, mais j'ai voulu mettre des petits pois, voilà. C'est plutôt des olives qu'on met, mais j'avais trop envie d'en mettre. J'ai mis aussi des abats. Et voilà, j'ai préparé une petite salade. J'avais vraiment envie de manger en plus à la... marocain aujourd'hui. Voilà, on arrive à la fin du vlog. Enfin, je pourrais continuer à l'infini de vous partager mes petits moments, mais en tout cas pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. J'ai encore des petits trucs à faire. J'espère vraiment que, bah écoutez, que ce vlog vous aura inspiré, donné des idées. En tout cas, le lundi, j'essaie de faire un maximum pour la semaine. Ça dépend, franchement, ça dépend. J'ai pas de jour type, j'ai pas de routine type, mais en tout cas, quand j'ai la motivation, j'essaie de faire
plusieurs choses, vous voyez, et je congèle. Donc je congèle comme ça, du coup, dans la semaine, ça me permet tout simplement de ne pas forcément faire à manger. La semaine, si je n'ai pas le temps, ben, ça me permet de m'avancer, ça me permet de me dépanner aussi. Et voilà, écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et je vous fais plein de bisous, comme d'habitude. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.